Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc nous sommes avec Havre de Savoir dans la mosquée bleue de Shah Alam. Donc c'est la deuxième plus grande mosquée de l'Asie du Sud-Est. Donc c'est vraiment un monument d'architecture extraordinaire, éblouissant, qui reflète vraiment cet état d'esprit que nous pouvons palper ici en Malaisie, l'excellence dans tout ce qu'ils font. Et c'est vraiment extraordinaire. Mais ça, au-delà de cette grandeur dans l'architecture, il y a aussi le fait qu'on ressent qu'ici, dans la mosquée, on retrouve aussi le rôle de la mosquée à l'origine. Car en bas, nous avons vu qu'il y avait deux séminaires différents, dans deux salles différentes. Il y a eu célébration d'un mariage. Donc on voit que c'est un lieu non seulement culturel, mais c'est un lieu de science, un lieu social, etc. Et c'est ce qui fait aussi la grandeur de cette mosquée. Donc nous sommes vraiment contents d'être ici et de découvrir ce côté de la Malaisie. Et on ne cesse, à travers ces visites, d'être ébloui par cette civilisation, c'est-à-dire de Malaisie. C'est des gens vraiment extraordinaires. Et on a beaucoup à apprendre d'eux, au niveau de la discipline, de l'éducation, de la propreté, et surtout dans cette recherche d'excellence dans tout ce qu'il faut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يعقلون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم.